Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avant que les bélos pratins ne se réveillent pour venir découvrir donc ce restaurant qui est derrière nous, vous le connaissez forcément. On est auprès du centre commercial que je ne décris pas, mais vous avez un petit visuel derrière. Cet établissement, donc ce matin, on va être un petit peu plus tranquille puisque la restauration n'y est pas. On va faire tout de suite le petit demi-tour pour voir ça de plus près. Voilà, donc la terrasse est montée. On est donc auprès d'une locomotive qui est assez exceptionnelle hein, puisqu'on a des milliers de clients qui viennent chaque jour. Autour de nous, on va avoir tout un tas de commerces hein, que vous connaissez forcément. C'est une zone d'activité extrêmement dynamique et de surcroît avec la croix électronique, pour ne pas faire de jeu de mots, qui vient de s'installer. Des facilités de stationnement, vous avez tout ça sous les yeux. Vous pouvez accueillir tout le petit monde que vous souhaitez. Une belle terrasse extérieure, elle est dans le bail, hein, donc elle fait tout à fait partie intégrante du fonds de commerce qu'on vous propose d'acheter aujourd'hui. Hein, donc cet endroit pour venir reprendre l'activité de bar-restaurant. Terrasse également sur le côté droit, hein, juste dans ce secteur-là, eh bien, elle fait partie également du contrat de location. Bar-restaurant, excusez-moi, je vous disais, brasserie, des possibilités encore diverses et variées, moyennant éventuellement une discussion peut-être avec le propriétaire, mais en tout cas, le volume intérieur y est. On pourrait développer quelque chose de très sympa. On a 35 places à l'extérieur, mais jusqu'à 50. Et puis, on va aller voir l'intérieur tout de suite. Et voici donc une première entrée, hein, puisque vous allez le constater, on peut également accéder à l'établissement par l'autre côté. Et on vient découvrir donc ce local qui est en superbe état. Ça fait 20 ans aujourd'hui que l'activité est exercée ici. On est sur une cuisine traditionnelle française, hein, du menu ouvrier pour les gens de passage. On est sur 175 mètres carrés d'espace ici. Vous le voyez, c'est extrêmement clair, extrêmement propre. Hein, ça a été entièrement rénové, c'est vitré. Vous pouvez aisément imaginer avoir énormément de monde à l'intérieur avec des écrans géants pour tous les événements sportifs, par exemple. On a ce mur, ce grand mur ici, et puis on a également celui qui est sur votre droite. Possibilité d'extension, puisque au-dessus de notre tête, eh bien, on a tout le même volume qui pourrait être exploité sous forme de mezzanine ou sous forme donc d'étage complet, hein, pour aller doubler éventuellement la surface. C'est tout à fait possible. De ce côté-là, bien entendu, le bar. Alors le bar, ce qui est sympa, c'est qu'il donne, pardonnez-moi, une vitrine directement sur la galerie commerçante. Et ça, c'est un atout qui est vraiment exceptionnel, avec donc une terrasse couverte pour le coup de ce côté-ci. Et puis, c'est un attrape client aussi hein, de ce côté-là, puisque je parlais tout à l'heure de milliers de personnes qui venaient chaque jour. On va les retrouver ici. On a bien sûr le rideau métallique hein, qui va permettre de fermer là. Le coin sanitaire, on est bien sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. On est en conformité. Et puis, reste à aller voir donc l'outil de travail cuisine. Aujourd'hui, on travaille sur les horaires rattachés donc à un centre commercial. Hein, donc, on n'est pas obligé d'ouvrir le soir. C'est plus facile en tout cas d'argumenter dans ce sens. Mais si on voulait le faire, eh bien, c'est tout à fait possible puisque on a un accès direct également sur l'extérieur. Alors, l'outil de travail, eh bien, on va être sur la marche en avant, bien sûr, pour respecter la conformité. Ici, deux petites pièces techniques que je vous épargne aujourd'hui. Vous viendrez découvrir par vous-même. Et l'outil, eh bien, comme la cellule commerciale, il est impeccable avec la vaisselle là, une petite hotte ici si jamais on voulait développer une autre partie de cuisine, des points d'eau. Donc là, on est sur la partie plonge, c'est carrelé, c'est faïencé, c'est impeccable vraiment d'un bout à l'autre. Assez clair également, possibilité demain d'ouvrir, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, la cuisine directement éventuellement sur la partie salle. Le four, les plaques, on est en électrique puisque galerie commerciale, donc on va éviter quand même le gaz, mais l'outil est impeccable, tout inox, sur les plans de travail, sur les zones de stockage, c'est vraiment impeccable. La commission d'hygiène n'en revient pas quand elle vient dans cet établissement. Ici, de plein pied, très facile du coup hein, pour votre activité puisque on a cette petite réserve directement accessible. Voilà, je vous invite à venir découvrir donc cette activité de bar-restaurant qu'on va pouvoir encore développer de toutes les manières et avec toutes les bonnes idées que vous avez forcément. Je vous dis à très bientôt. Vous nous retrouvez sur www.mbcimo.com et la chaîne YouTube MBC Imo. À bientôt.